Je suis Nelson Kishugi, creative technologist et fondateur de Lopango. Qu'est-ce que Lopango en un mot? Lopango, c'est création de contenu, Internet gratuit et Big Data. Nous permettons aux entreprises locales de pouvoir offrir Internet gratuitement grâce à un réseau de hotspots dans la ville. Nous leur permettons ensuite de créer du contenu riche et grâce à notre réseau de hotspots, nous pouvons diffuser ce contenu et avoir un retour en termes de données qui permettent à ces entreprises-là de pouvoir améliorer leur chaîne de valeur, améliorer le service client, améliorer le marketing ou tout autre aspect de leur service. Les difficultés que j'ai rencontrées quand je me suis lancé, le premier, je vais dire, c'était le financement. Parce que j'avais déjà lancé une première entreprise à fonds propres qui commençait à tourner et trouver l'argent pour pouvoir lancer le deuxième, c'était un vrai défi. Parce qu'on sait que ailleurs, on peut avoir un business angel, ailleurs, on peut avoir on peut lever des fonds, mais ici, c'est encore très timide, les gens ne sont pas encore très habitués, donc il faut y aller à fonds propres. Ça, c'était le plus grand défi. Le deuxième plus grand défi était celui de constituer une équipe avec les compétences qu'il faut. Je suis dans la technologie, je forme dans la technologie, mais malheureusement, les profils que j'ai recherchés, je n'en arrivais pas à les trouver sur place. Ce qui a fait que je travaillais avec des gens à Abidjan, je travaille avec des gens à Paris, je travaille avec des gens en Inde, parce que justement, les profils que j'ai recherchés sur place, je n'en avais pas. Et ce sont ces deux défis-là qui ont été des défis majeurs, parce qu'au bout d'un moment, même lorsqu'on a l'argent, si on n'a pas les compétences, on n'arrive pas à avancer. Maintenant, aujourd'hui, le plus grand défi, c'est de rapatrier tout ce beau monde-là au Congo, de manière à ce que toute l'équipe soit réunie ici. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va être explosif et on va beaucoup plus aller rapidement. Alors, ma vie d'entrepreneur au quotidien, c'est un vrai challenge. Surtout dans un pays où Internet coûte extrêmement cher et on a envie d'offrir Internet gratuit, c'est extrêmement compliqué. Elle va se résumer en une anecdote. Lorsque je veux me lancer, il n'y a pas de régulation dans ce que je veux faire. Il n'existe aucune loi qui encadre ce que je veux faire. Et ça nous prend 8 mois pour travailler avec les régulateurs pour pouvoir créer une loi ou disons un cahier de charges que moi-même je dois respecter et que tous les autres doivent respecter. C'est être en même temps l'administrateur, le juriste, le marketing et toutes ces choses-là en même temps. Et c'est extrêmement compliqué. Mais heureusement, aujourd'hui, l'écosystème est en train de se créer. Aujourd'hui, il y a des gens qui se spécialisent dans certains domaines et sur qui vous pouvez reposer et qui vous permettent d'aller un peu plus rapidement. Mais au quotidien, c'est un seul mot, il faut être un combattant. J'aime bien le mot en anglais, il faut être un warrior. Il faut se réveiller le matin et se dire aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois arriver à atteindre mes objectifs, mais vraiment se battre et encore se battre. Ce qui me motive au quotidien, je crois en l'Afrique. Je suis ce qu'on appelle un afro-optimiste. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'on a le devoir de faire les choses qu'on est en train de faire. Chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous a un dépôt, comme je l'appelle, qui fait qu'il doit exprimer, qu'il doit valoriser, qu'il doit faire découvrir au monde. Et je crois que chacun de nous a donc un devoir de pouvoir accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Et moi, je pense qu'une de mes missions, ce n'est pas tellement d'être le meilleur entrepreneur, mais c'est de permettre aux écosystèmes partout où je vais passer de pouvoir non seulement éclore, mais aussi se développer. De pouvoir faire en sorte que le futur Steve Jobs d'Afrique, le futur Bill Gates d'Afrique puisse réellement découvrir de quoi il est capable, avoir les compétences qu'il faut et aussi préparer quelque chose. Je veux dire, j'aime bien la Bible, elle le dit bien, je suis un peu le Jean-Baptiste. Je vais venir aplanir les chemins pour que le Christ puisse arriver. Et je le fais pour partout où je vais un peu. Et c'est ce qui me motive. Je pense que l'Afrique a tellement de talents, qu'il y a tellement de gens qui ont tellement, tellement à donner. Mais malheureusement, si on ne prépare pas pour eux le terrain, ils ne vont jamais faire les choses qu'ils doivent. Et moi, ça c'est ma mission. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est pour ça que je me dis, même lorsque c'est difficile, il faut que je continue parce qu'il y a quelqu'un derrière qui peut-être ne va jamais exister si moi je n'y arrive pas. Alors, mes plus grandes réalisations ici, je veux dire que j'en ai 2. Le premier, c'est d'avoir formé en près de 3 ans, près de 4000 personnes dans tout ce qui touche technologie, dans tout ce qui touche création et développement de sites internet, d'applications, d'interfaces utilisateurs, de toutes ces technologies qui n'existaient pas forcément ou il n'y avait pas forcément de centre de formation. On en a formé au moins 4000 les 3 dernières années, ça c'est la première. La deuxième, c'est véritablement pouvoir avoir participé à créer un cadre juridique, à créer un cadre légal qui va permettre à toutes les entreprises qui vont travailler plus tard
dans le big data, dans l'intelligence artificielle, de pouvoir avoir plus facilement un cahier de charges qu'ils devront respecter, ce qui n'existait pas il y a encore 5 ou 6 mois. Qu'est-ce qui empêche les gens d'entreprendre au Congo? Ça va être très simple, ça va être l'environnement. Ça c'est un. C'est vrai que c'est difficile ailleurs, c'est beaucoup plus difficile à certains endroits, mais c'est aussi difficile au Congo de se lancer, de commencer, parce que l'écosystème entrepreneurial est très embryonnaire. Il y a des choses qui se font, mais il faut vraiment avoir des épaules solides pour pouvoir porter tout ça et pour pouvoir commencer. Je dirais que donc la première chose, c'est véritablement l'écosystème. Il est extrêmement difficile, comme je l'ai dit, il n'existe pas de loi. Il n'existe par exemple aucun statut spécifique pour les startups, ça n'existe pas. Alors qu'on sait tous qu'une startup, c'est vraiment quelque chose de très fragile et qui a besoin d'être accompagné. La deuxième chose, ça va être les compétences. On est malheureusement resté très francophone avec les connaissances et pas les compétences. Il y a beaucoup de gens qui sont diplômés, qui ont des gros diplômes, mais lorsque vous leur donnez une machine et vous leur dites « Ok, show me what you got, montre-moi ce que tu peux faire », ils n'y arrivent pas. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui va être controversée, je le sais, mais j'assume, c'est la facilité. Les gens ici sont habitués au pré-mâché, comme moi j'appelle ça. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une mangue sur un arbre, mais quelqu'un a envie quand même que quelqu'un d'autre monte sur cet arbre, cueille la mangue, épulche la mangue, broie la mangue et lui dise juste, voilà, tu avales. C'est tout ce dont il a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement fait que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entreprendre, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de courage pour se dire, malgré tout ce qui est hostile, malgré tout ce qui est difficile, je veux quand même me lancer. Quel conseil je donnerais à ceux qui veulent entreprendre? 1. Ne lâchez pas votre boulot d'aujourd'hui sans avoir des véritables économies. Mettez de l'argent de côté, mais vraiment pour que lorsque vous allez démarrer, vous ayez de quoi avoir pour tous les jours, pour le quotidien. Parce que la première année, ne rêvez pas, vous n'allez pas avoir des sous. Et même si vous en avez, ça va à peine couvrir vos charges. La deuxième chose, ne vous lancez pas sans vous être réellement renseigné sur le domaine dans lequel vous êtes en train d'aller. Soyez le plus calé possible. Que personne ne soit meilleur que vous dans ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans la vente des bananes, il faut maîtriser toute la chaîne de valeur, maîtriser toute la chaîne de production, maîtriser tout ce qu'il y a comme solution et tout ce qu'il y a comme problème. Parce que si vous vous lancez et vous ne maîtrisez pas votre chaîne de valeur, ça va être extrêmement compliqué pour vous de pouvoir suivre. Et le temps que vous puissiez vous mettre à jour, le temps que vous puissiez faire les choses correctement, eh ben, ça sera trop tard. Et le dernier conseil que j'aimerais donner à tous qui se lancent, c'est échouer le plus rapidement possible. Ça va paraître fou, mais plus vous prenez du temps à échouer, plus la chute va être catastrophique. N'ayez pas peur de l'échec. Échouez le plus rapidement possible et ensuite, recommencez à zéro, changez votre idée, améliorez-la et recommencez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous réussissiez. N'ayez vraiment pas peur de l'échec, mais vous dites pas lorsque vous avez échoué que c'est une fatalité. Non. Et plus rapidement vous aurez échoué, mieux ce sera pour vous. Alors, en trois mots, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? 1. Folie. 2. Passion. 3. Travail. Folie parce qu'il faut être vraiment fou pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut se dire, malgré tout ce qu'il y a autour, j'ai envie de faire ça et y aller à fond, ne pas écouter tout ce qu'il y a autour et foncer. 2. Passion parce que si vous n'êtes pas passionné, il y a des matins où vous vous réveillerez et vous avez tellement un coup de blues parce qu'il y a un client qui ne répond pas, un partenaire qui vous fait marcher, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si vous n'êtes pas passionné, vous allez abandonner. 3. Travail parce que quel que soit le talent que vous avez, quelle que soit la chose que vous faites, il n'y a qu'un seul repère, le travail. Vous arrivez à bosser, à un moment, même si les gens vous détestent, votre travail va parler à votre place. Même si les gens ne vous acceptent pas, votre travail va parler à votre place. Même si c'est difficile, votre travail va parler à votre place et va vous permettre d'avancer. Alors, mon actualité, c'est que là, on est en train de déployer notre réseau. Finalement, on a les autorisations, donc on peut le faire. On est en train de déployer notre réseau de hotspots, de points Wi-Fi gratuits dans Brazzaville, où les gens pourront se connecter gratuitement et avoir accès à Internet. Lorsqu'on sait combien coûte Internet dans certains pays d'Afrique, je pense que ça va être une excellente solution pour les entreprises, pour les particuliers et pour toutes les personnes qui, d'une certaine manière, travaillent avec Internet. Et nous commençons donc à Brazzaville, mais le but c'est de s'étendre le plus possible en Afrique, en allant à Kinshasa, à Libreville, à Abidjan, à Bamako.
où nous sommes déjà en pourparlers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de travailler sur un agrégateur de paiement qui va permettre que vous soyez, de quel que soit votre portefeuille électronique, vous puissiez payer sans avoir à vous poser trop de questions. On va faire un peu que celui qui a un portefeuille électronique ne se demande pas forcément est-ce que tu as le même portefeuille électronique, pour ne pas citer les marques. Et à partir de ce moment-là, peut faire son paiement sans avoir à se casser la tête. On a vraiment simplifié la chose. C'est très simple. Ça vous prend moins de temps que mettre votre main dans la poche et pouvoir payer. Aussi simplement que ça. Ça va être extrêmement rapide et efficace. Et on est en train de le finaliser. Donc, d'ici quelques semaines, quelques mois, les gens pourront avoir ce deuxième produit de Lopango qui va être lancé et qui va venir en surcouche, au fait, sur tout ce que nous avons comme produit précédent. Quel conseil je vais donner à la diaspora et à ceux qui suivent Je décide d'entreprendre, c'est de justement suivre ce genre de plateforme, parce que je pense que l'information, c'est quelque chose d'extrêmement capital lorsqu'on veut être entrepreneur. Et je suis allé regarder un peu ce qui se faisait sur Je décide d'entreprendre, que ce soit en termes de mentorat pour les personnes qui vont conseiller les autres pour les accompagner dans cette aventure qui peut être extrêmement bouleversante et où on peut se perdre très facilement. Donc c'est vraiment de suivre des plateformes comme celle-là, de pouvoir poser des questions, interagir avec ceux qui sont sur les plateformes pour vous permettre d'améliorer ou de, on va dire tout simplement, de faire connaître votre idée, de la faire voir le jour ou alors de la développer ou de l'améliorer. Pour me suivre, c'est très simple. Vous tapez Nelson Tshishugi. Tshishugi, c'est assez compliqué à écrire, je le reconnais, mais je sais qu'on l'a écrit un peu plus bas. Mais vous tapez sur quel que soit le réseau, LinkedIn, Twitter, Facebook, vous tapez ça, vous m'aurez. Sinon, vous tapez lopango.io et à partir de là, vous aurez toutes les informations sur Lopango. Et très, très, très bientôt, pour ceux qui me suivent, je suis en train de lancer mon propre blog qui va résumer un peu mon parcours et mon voyage entrepreneurial en termes de conseils, en termes de challenges, en termes de tout ce que l'on peut rencontrer. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je suis en train d'écrire un livre en termes d'actualité qui s'appelle le Run, la course vers le succès. Et je fais un parallélisme entre faire le sport et l'entrepreneuriat. Ce que ça demande de se lever tout le matin, ce que c'est que ça demande de pouvoir soulever une haltère, ce genre de choses. Et je fais une analogie par rapport à l'entrepreneuriat avec des termes et avec des réalités extrêmement simples et que tout le monde pourrait comprendre.